je me prends un gros shot d'adrénaline dans la gueule, j'y vais à fond. Je sais que quand je roule sous mon casque, je suis en train de sourire tout le temps. Quand t'es petit, t'attends tout le temps, alors forcément c'est tout le temps. Et aujourd'hui, il y a le travail, il y a les études, du coup, ben, on se voit moins. À la base, on devait avoir 10-12 ans. On a formé un petit groupe où on a commencé à créer un terrain, à faire des petites vidéos, à s'amuser sur YouTube et puis on passait du bon moment comme ça. Partout dans la vallée, on a tout simplement des vestiges de la guerre. Il devait y avoir quoi, 70 ans en arrière. Il y avait la guerre, il y avait des mecs qui se battaient là. Et moi, maintenant, je suis là, sur mon vélo, tranquille, le soir, tout seul, j'en profite. Alors qu'à l'époque, bah, ils s'imaginaient jamais prendre un vélo pour faire de la descente et des trucs comme ça, tu vois. Ça procure une sorte de plaisir, le fait de pratiquer la discipline, de pouvoir faire des belles choses, avoir un certain niveau. Et simplement se faire plaisir en roulant, quoi.